Et salut à tous, c'est Vandal, et on se retrouve pour le quatrième épisode, ouais, si je me souviens bien, de Vandalheart Flame of Duel. Alors du coup, on se retrouve directement dans le village de Drea, tout simplement parce que j'ai préféré commencer là, parce que tout ce qui est en plate, enfin achat de nouveaux équipements, etc., j'ai déjà fait. Et je préfère du coup faire ça en off, parce que sinon ça va être ça prendra un peu trop de temps et tatati tatata. L'essentiel c'est que ça a été fait, donc on va juste visiter la cruche de sable pour voir ce qui s'y passe. J'ai eu des gens bizarres dans le coin. Ils ont posé des questions sur bah sur vous, je crois. Pas de D'accord. Pourquoi on ne rouvrirait pas le couloir de Trivichim? Satanée malédiction, ça grouille de richesses là-bas. Ces pauvres gens de Tolbi, mais on a toujours le général Gray. Ces ordures du Redin vont regretter d'être nés. Si tu connaissais la vérité, mon jeune ami? À mon avis, il sortirait la même regard, tu sais. Lui, ça doit être un fine major. Mais c'est le général d'Arden Gray, c'est mon héros! J'ai prié jour et nuit pour la paix. Dieu m'écoute ou pas? Réessaye. Oui, je réponds comme s'ils étaient en face, c'est con mais c'est drôle. Si les Urdins veulent une autre guerre, eh ben on va leur donner. Soit. Mais qui dit que tu serais forcément vainqueur? Ça se trouve, ils n'attendent que ça pour vous défoncer la gueule. Oh oh. Car s'ils sont aussi doués qu'Altiria dans notre équipe, ça peut quand même jouer en leur avantage. Mon oncle a disparu dans les grottes il y a de nombreuses années. La dernière fois que je l'ai vu, il parlait des ruines qu'il avait découvertes. Il a mentionné une carte gravée sur une tablette ancienne et a dit qu'elle allait faire de lui un homme riche. Faut le retrouver! Du coup, la sauvegarde, je l'ai déjà faite. Et du coup, ce que nous pouvons faire, c'est quitter la ville. Une petite fatigue passagère. C'est le dernier arrêt avant Shumeria. Vous êtes tous prêts? On est prêts. Attends, j'ai envie de retourner à Shumeria quand même. Très bien, c'est parti. Vous n'irez nulle part, Capitaine Luce Valency de l'Ordre d'Argent. Je vous arrête ainsi que votre compagnie pour trahison. Trahison? Sur l'ordre de qui? Sur l'ordre du général Dalden Gray de l'Ordre d'Or. Déposez vos armes. On n'a pas le temps, c'est Daldren le traître. Il attise une nouvelle guerre. Ouais. Le meilleur moyen de traduire à trois fois l'expression. Ouais. Nous avons pour mission urgente d'avertir le roi et d'arrêter Daldren avant qu'il ne soit trop tard. Vous devez nous laisser passer. Ah, le général Gray est un traître. Le général de l'Ordre d'Or. Blasphème, garde, arrêtez ces renégats. Vous n'avez pas besoin de recourir à la violence. Oh que si. Les chiens de l'enfer. Qui ça? Ah. Hé. J'y chance. Aïe, ah, et personne ne se met entre un chien de l'enfer et son butin, hein, pas vrai? Des mercenaires, hein? On veut combien? Quelle impolitesse! Moi qui pensais qu'on apprenait les bonnes manières à l'église. Hihi, je vous taquine. Pas d'inquiétude, nous serons gentils. Tuez tous, les gars! Avec plaisir. Et si on s'enfuyait? Oui, à l'est, dans le canyon, on peut les semer dans les grottes du péril. C'est ça, les grottes du péril, quelle bonne idée! Alors je me demande s'il est sarcastique ou genre ouais c'est une bonne idée, on va mourir donc faut qu'on se casse. C'est la question. Et voilà. Mais bon, ça fait 4 minutes de vidéo et j'ai baillé deux fois. Wouah. La fatigue. Mais pour l'instant le jeu me satisfait bien qu'il y ait quand même quelques défauts, mais sinon voilà, pour l'instant le jeu me convient bien. Je suis un très bon doubleur. Ces mines sont reliées à une ancienne autoroute souterraine. Elle nous mènera à Shumeria. Une autoroute souterraine? Vous voulez dire la voie de l'unité? C'est ça. Tape le mur. Au moins, la forme de l'entrée de la caverne, ça annonce la couleur. Hein. Ouais. Oh, regardez, il y a un crâne. Génial. Pourquoi est-ce qu'on est là déjà?
Elle n'a pas été fermée pour une bonne raison. On n'y avait pas trouvé un truc. Quelque chose les a surpris, à ce qu'il paraît. Peu importe, on n'est nulle part où aller. Il va falloir prendre ce risque. Ha ! Vous ne fuirez pas éternellement. Dans les mines. Et attention, ils peuvent tenter de nous séparer. Foncez et coupez-leur la tête. Encore des chiens d'enfer, continuez. Ça ne va pas vous aider, les gars. Vous savez ce qu'il y a en dessous? Ce qu'il y a là-dessous, c'est en dessous, c'est pareil. Croyez-moi, il vaut mieux mourir ici. Sérieusement, vous me remercierez. Let's have a little fun here. Fuir dans les grottes du péril, tout le groupe doit survivre au combat. Effectivement, là, ça pourrait se révéler assez compliqué. Car tout le groupe doit survivre. Ça a l'air d'être un peu comme cette fameuse bataille de Vandars 1 que je vous avais montré contre les gardes Crimson. J'ai l'impression que c'est pareil. Mais sauf que dans Vandars 1, il y avait que Ash qui devait survivre. Et là, bah non, c'est tout le monde doit survivre, donc. Alors, non, c'est pas ça. Info. Ce que je vais essayer de faire, c'est de récupérer les coffres et temporiser pour tous les tuer. Parce que du coup, à mon avis, l'objectif, c'est de tous les mettre dans le train et de se barrer. Et dans la logique, ce qu'il faudrait faire, je pense, enfin, ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre un personnage dans le train va partir. Et comment? Et il reviendra chaque tour. Ça me semble le truc le plus logique. Donc ce que je vais faire, c'est... Ouais, on va faire ça. On va essayer de se placer, de s'augmenter des trucs. Par exemple, Gren, on voit qu'il joue quand même dans assez longtemps, malheureusement. Ce que je vais faire, c'est augmenter sa réactivité comme ça, voilà. On joue tous en même temps. Et on va essayer de temporiser, on va essayer de s'occuper dans un premier temps de ces 4 là. Une fois qu'on se sera occupé d'eux, on va attendre ces 4 là. De toute façon, 6 contre 8, le match-up devrait être bon. Donc, les MP, je vais les économiser. Pour utiliser les sorts de malédiction, de réduire les possibilités des deux Guardsmen qui sont pas loin de nous. Donc, on va faire un bloc. Donc là, ils ont boité un dégât. Je crois que ce que je vais faire, c'est les baisser. Donc voilà, là, ils essaient de nous avoir. On va essayer de faire, c'est diminuer leur défense. Alors, au moins du temps empoisonné, ça peut être un bon plan. Oh, je sais pas si lui il a des sorts d'attaque. Non. Alors on va empoisonner les deux. Parfait.
Alors, hop, magie, augmentation. Vu que je pense qu'ils vont essayer de s'en prendre à elle, qu'elle pourra pas contre-attaquer. On va augmenter sa défense. Et d'un côté avec Calvin, ce qu'on va faire, c'est augmenter les dégâts de Luce. Ah bah on peut pas. Bon, on va. Connor va couvrir Calvin. Hop là, tac. Addiction. Alors. Comme ça, son déplacement est très réduit. Et je crois que Luce a également Traquenard. Non. Augmenter les dégâts de graines. Et on va engager. Alors qu'est-ce que c'est ? Tiens. Hop. En plus la réactivité. L'autre va le soigner. Ah non. Contre-attaque. C'est parfait. Donc eux vont arriver. Et il attaque son pote. Et je te contre-attaque. Et si magnifique. Alors. Ça c'était obligé. C'est pas celui-là. Même son. Ça c'était plus efficace. Ah mince, pas sûr. Ouais, 60. Ah ça déconne pas. Voilà. Ce que je vais faire, c'est hop, tac. Si ça pouvait le faire. Aïe. Ça va être compliqué. Non, ce qu'on va faire, c'est se débarrasser en tout de celui-là. Voilà, parfait. Ouais, les deux sont affaiblis. Connor est un peu dans le mal. Voilà, on va essayer de... pas foiré. En moins. J'ai une super pour qu'il récupère 75.
Contrairement aux anciens volets, les arbres. Non, quoique dans le 2, il me semble que ça donnait un nombre de PV fixe, mais dans le 1, ce n'était pas le cas. Allez, prends un Darkstar. Kevin va s'occuper des soins. Hop là, guérison. Ah, ça devrait le faire. We're done here. Parfait. C'est déjà 16 minutes, aimé. Comme j'ai dit, on va temporiser. En le PV, ça doit être suffisant. Voilà. De toute façon, voilà, répercussion dans ta gueule. Ah ouais, on va voir, ça va faire plein de dégâts. 45, c'est pas si mal. J'étais pas... pas bonne case. Dibs. Il l'a mêlé, on va l'équiper. Hop. 24, c'est pas fameux. Hop, guérison. Amazing. Un truc que je voudrais vérifier avant. Ça tue. Relégé de flamme. PM, ok. Il lui en reste 49, il peut en lancer encore un. Ça marche. Donc, ok. On va claquer tous ces MP. Il a quand même un sort pas mal, bah paralysé. Ça sera sans défense. Eh ouais! C'est parfait ça! Et voilà, 95, et ouais. Ça va, il résiste. Ça va le faire. Ah, ah, attaque en équipe. C'est random, mais c'est souvent soit la classe. 38, 76. Et bah, il a perdu. Il est midlife le Tobias, donc. Ce qu'on va faire, c'est on va le soigner. Hop là. Alors, du coup, on va aller chercher le corps réclus. L'autre, bah, il va attaquer à distance, je pense.
C'est moi qui ai pas un truc de remède. On peut juste le soigner. Hop là. Ah, ça par contre c'était pas trop prévu. On sait c'était ça dure assez longtemps mais apparemment non. Parfait, ça augmente leur niveau, c'est ce qu'on veut. Jamais plus s'en prendre à Connor, parce qu'il est quand même assez affaibli. 49. Et voilà. On va aller chercher le coffre qui est là-bas. Juste augmenter du coup ça. Ah ben j'ai pas assez d'MP. Alors, est-ce qu'Altiria peut faire ça? Ce serait cool. Magie, augmentation, fluidité pour graines. Hop là. Parfait. Alors, on va faire de la guérison. 113. Hop. On va le mettre là-bas. Il sera commencé à ramener. Essayer de faire un encerclement. Ah, je vais pas le tuer tout de suite. Magie, augmentation. On fait un traquenard, on va réduire ses déplacements. Et bam! Au moins, déjà, il pourra plus aller très loin. Il y a quand même pas mal d'MP, hein. Hop, action, ouvrir. Good enough. On va le trouver en bronze, hein. Je vais caser près du truc. Hop. Objet. Où tu veux. Ouais, soignons, on sait jamais. Voilà. De toute façon, on va tous se caser près du truc. Bah, dans le temps que je peux me.
me soigner avec les MP, autant profiter, on va faire ça les objets quand j'aurai plus rien ou quand je peux pas me soigner directement, malheureusement. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'autre ici? Non, non, oui, non. On a plus rien. Ok. De toute façon, je ne fais pas grand chose donc. Hop là. Je pense que on est bon là. On va être bon. De toute façon, graine arrive. Je me trompe toujours. J'ai vraiment pas l'habitude du menuing encore. Donc. Pour moi, ce qui est cool, c'est que ça va être un bon soigneur, Tobias. Hein. Ça, c'est pretty cool. Il se soigne. Hein. Si tu veux. Yep, on va commencer à prendre le fourgon. Pas le fourgon. Ah! Mais non! Non, mais comment ils ont pu gâcher ça, quoi? Alors tu sautes, tes animations est skippée. C'est n'importe quoi. Mais non, c'est moche ça, vraiment non. Ah non, non, ça se questionne pas. Et j'avais bien raison en tout cas, ça vient à chaque tour. Je peux pas te répondre tout de suite, Conker, je ferai ça après la vidéo, t'en fais pas. J'ai oublié de défendre. Elles sont mieux de faire tout le tour, quoi, ça c'est. Nul. Hé hé, j'adore l'odeur du sang. Allez, tout le monde, voyez, suis. You're getting on my nerves. Quand même, c'est un petit salopard le train. Attend qu'on soit plus que 3 pour. Pour lancer ses troupes. Hein. Ça, c'est. Je trouve ça assez sale. Ça quand même assez assez moyen. Ah, ça a l'air de la merde en fait. Je reprends ma hache, ce sera mieux. On va se mettre full PV. Si me foutre à Knarr, c'est pas un problème.
Allez, Graine, je sens que tu vas tenir. C'est genre, je suis dans la merde, je suis tout seul. Je peux que défendre. Allez, tu vas tenir, Graine. On compte sur toi. La France te regarde. Bon bah désolé mais moi je dois me casser hein. Et tchou. Putain c'était tendu hein. C'était chaud. Ah quand même pour quoi pour ça doit être la cinquième bataille. Elle était assez compliquée hein. C'est pour dire, ouais, t'es bien dans l'acte 2 là, hein, ça déconne pas. Eh ben, ah, en plus, c'est d'accord. Bon, bah, 32 minutes de vidéo, je trouve ça c'est bien. C'est parfait. Contrairement à la vidéo précédente, c'était quand même assez long. Bah, c'est parfait. Donc, on a réussi à faire cette bataille. Elle a quand même d'être vachement compliquée. Hein. Enfin, du coup, que je regarde comment Sion il s'était démerdé. Voir s'il avait réussi du premier coup également. Parce qu'il me semble que lui, il faisait également découvert. Et ce que Steven, c'est également un grand fan de Vandart. Hein. On s'est connu sur le forum Vandart de JVC. Donc, si Steven, tu regardes cette vidéo, bah, je te dis coucou. Hein. Et je dis coucou à Conker aussi, hein, qui a pop et qui a un magnifique message. Hein. Je vois bien ce que c'est, je vais pas vous montrer le message. Enfin bref. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je suis bien content, c'est l'esprit tactique de Vandart, ça commence à arriver, ça risque de me plaire. Puis bah voilà, donc comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, ou à partager la vidéo si ça vous a plu. Mais le plus important, n'oubliez pas de vous abonner, hein, avec le petit bouton rouge s'abonner, ou s'abonner dans la description. Les descriptions sont faites pour être lues, donc n'hésitez pas. Je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour un nouvel épisode de Vandart Flame of Judgment. Salut!